Qu'est-ce que c'est? La géométrie, la géométrie quoi? La géométrie, c'est trop compliqué. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler géométrie de vos lames de coupe-chou. Alors, qu'est-ce que j'entends par géométrie? On va essayer de regarder un petit peu s'il pourrait y avoir des défauts sur ces lames-là avant que vous n'attaquiez à une rénovation, une restauration de lame, un réaffilage, raffutage, et que vous ne fassiez peut-être n'importe quoi. On va essayer de déterminer les problèmes qu'on peut retrouver sur une lame, les problèmes assez fréquents, et par la suite, peut-être sur une autre vidéo, on verra comment y remédier. Mais tout d'abord, je vais vous montrer quelques défauts assez simples à détecter à l'œil nu. Et ensuite, je vous demanderai de vous munir de quelques ustensiles pour pouvoir calculer l'angle de coupe de votre lame. Donc l'angle, voilà, je vous montre, ça, il va partir du fil jusque sur les deux bords du dos que moi j'appelle les flancs. Voilà. Et donc ça, ça va donner un angle. Comment faire pour le transposer sur papier ? Pour essayer du coup de voir quel angle a votre lame, en sachant que l'angle idéal entre guillemets serait de 17 degrés. L'angle d'une lame, ouais, devrait se rapprocher de 17 degrés, car en fait après plusieurs essais de plein de monde, voilà, 17 degrés, c'est l'angle parfait pour avoir un bon rasage doux et efficace sans que la lame ne s'émousse trop. Parce que si l'angle est en dessous des 17 degrés, la lame va s'émousser ultra vite. Et s'il est au-dessus des 17 degrés, votre rasage ne sera plus terrible en fait. Et donc c'est pas mal de déjà se baser sur l'angle de votre lame pour savoir s'il y a des corrections à faire ou non. Bah écoutez, moi je vous propose déjà de faire 2-3 manips pour voir s'il y a des défauts visibles à l'œil nu. Et ensuite, du coup, pour calculer l'angle, je vous demanderai de vous munir d'un compas, d'un rapporteur, d'un réglé, d'une règle éventuellement, ou d'un truc très très plat, d'avoir une surface bien plane et linéaire, prendre un petit critérium et un léger bout de pâte à fixe, ça peut aider. Et si j'ai oublié des trucs là maintenant, de toute manière, quand je vais procéder à la mise en place, je vous dirai tout ce que j'utilise. Je vous donnerai la liste, pardon, parce que je parle pas bien français. Donc, bah écoutez, mettons-nous en situation. Je vous retrouve tout de suite. Go ! Alors, là, pour bien comprendre le truc, en fait, je vous ai pris une lame. Donc, c'est une lame de Le Grelot Royal Canada. Bon, bref, on s'en fout. Donc, de cette lame-là, déjà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop, je la pose. Attendez, je règle. Hop. Je vais poser là mon coupe-chou, la soie en dehors, enfin là, le débord en dehors du plan de travail. Et là, je vais appuyer avec mes deux doigts là. Et je vais vérifier, d'accord, que le fil là plaque bien partout. D'accord? S'il n'y a pas. Allez, si je force les deux côtés, ça bouge pas. Ça veut dire qu'en fait, le fil plaque réellement bien partout sur la feuille.
D'accord ? Peut-être je vais vous approcher un petit peu plus. Là. Donc, là, on peut bien constater que ça plaque parfaitement bien partout. C'est uniforme d'un côté. Et donc, si c'est uniforme d'un côté, normalement, ça devrait être uniforme de l'autre côté aussi. Vous voyez ? Je ne me coupe pas parce que le fil plaque parfaitement partout. Ok ? Ça, c'est une première chose à détecter. Bien regarder si ça plaque partout. Si ça ne plaque pas partout, c'est que il risque peut-être d'y avoir un problème. Alors, ça peut être plusieurs problèmes. Ça peut être le dos, là, qui n'est pas bien. En fait, il n'est pas symétrique à celui de l'autre côté, où il y a un endroit qui a été plus creusé que l'autre, ou alors la lame est légèrement voilée d'un côté ou de l'autre, et forcément, ça pose des soucis au niveau du fil. Donc déjà, vérifiez si ça plaque bien partout des deux côtés, comme je viens de vous le montrer. Ensuite, bon, truc classique. Donc là, deuxième point, en fait, là, moi, je me suis muni d'une plaque en verre, d'accord ? Vous pouvez le faire sur un marbre. Vous pouvez essayer de le faire sur un truc dur, pas sur du bois, pas sur un plan de travail en bois ou je ne sais quoi. Il faut vraiment essayer de le faire sur du verre ou sur un marbre. Donc, je prends ma plaque en verre, je la pose et là, je vais vous mettre à peu près à ras. On va essayer de faire un truc pas trop mal. Hop, pour les Corses qui me regardent, c'est une plaque provenant de Corse. Ok, donc là, je suis peut-être un peu près, mais... Ouais, on va essayer de trouver l'horizon de cette plaque, ce qui risque de pas être simple. Là, je pense que c'est pas trop dégueu. Et là, je vais prendre ma lame. On va la poser là, comme ceci. Et là, on va essayer de voir si on a du jour à travers. Moi, perso, j'en vois pas. Je vois pas de jour. Donc en fait, le galbe est bon. Et bah, cette lame, pour moi, elle est nickel, quoi. Elle a un joli galbe. Là, ici et là. Elle n'a pas un galbe creusé ici. Un galbe rentrant, ce qu'on appelle. Et du coup, parce que les galbes rentrants, c'est assez la galère à reprendre. Parce que du coup, il faut les reprendre vraiment en ponçant comme des tarés et en enlevant beaucoup de largeur à la lame. Et on réduit vraiment la hauteur de coupe, quoi. Donc c'est assez compliqué à faire, mais déjà ça pourrait être un second problème qu'on peut détecter à l'œil nu assez rapidement. Si c'est vraiment très creusé, même comme ça là, en le regardant, vous verrez ce galbe là. Par si elle est voilée, très finement, vaut mieux faire l'opération que je vous ai dit avant. Ça vous permettra de détecter un voilage ou un défaut du dos éventuel. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment calculer l'angle de votre coupe-chou. Alors ça va pas être simple parce que là, les cams, elles sont pas forcément. Et puis en plus, là, je suis à contre-jour, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais essayer de vous faire un espèce de schéma. On va voir. Donc déjà, comme matos, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, il vous faudra un tout petit bout de pâte à fixe. Donc moi, j'ai pris ça. C'est vraiment tout petit, quoi. Tout petit bout de pâte à fixe. Un rapporteur. Un critérium. Un compas. Une règle. Ou un truc droit. Dans tous les cas, truc droit, c'est pas mal. Et un réglé pour pouvoir avoir le zéro direct. D'accord ? C'est la seule utilité du réglé, c'est pour avoir le zéro direct et pouvoir calculer le nombre de millimètres cash sans avoir de déport du zéro comme sur une règle. Vous voyez, sur une règle, généralement, il démarre le zéro après la bordure. Et du coup, avec ça, vous serez foutu, vous ne pourrez pas calculer votre angle. Alors que sur un réglé, le zéro démarre au trait. Et donc là, c'est parfait. Donc, optez pour un réglé et tous les autres trucs que je vous ai dit. Vous prendrez une feuille de papier et je pense que ça ira. Votre cerveau aussi pour essayer
de transposer tout ça. Donc, hop, je vais essayer de vous mettre le téléphone pour que vous y voyez à peu près bien. Hop, là, je pense que ça peut être pas mal. On va peut-être zoomer un petit peu, on peut pas. Voilà, donc déjà, moi, ce que je vous propose, c'est de tracer un trait, un premier trait ici, donc sur une surface plane. Et après, de tracer un autre trait à 5 cm. Vous voyez ? Assez précisément. Hein. Donc là, voilà, j'ai montré à 0 et montré à 5 cm. Voilà. Après, vous prenez votre lame. Ok ? Vous allez y mettre un tout petit bout de pâte à fixe. Mais vraiment une lichette, hein, presque rien. Hop, vous allez la loger dans l'émouture. Là, à peu près. Ok. Et là, on va retourner et on va mettre le fil du rasoir juste à ras du trait du zéro que vous avez fait. Et là, vous appuyez fort, d'accord, pour que la pâte à fixe s'écrase et faire en sorte que le dessous du dos ici touche bien le bois et le fil touche bien le bois aussi. On garde bien le fil à zéro, d'accord, et on check pour voir si tout plaque bien, d'accord. Une fois que tout plaque bien, la pâte à fixe, elle va empêcher la lame de reculer lorsque je vais poser ma règle. Donc là, en gros, ce que je vais faire, je vais vous mettre là, comme ça, je pense que vous y verrez pas trop mal. Hop. Et là, je vais donc placer ma règle ici, vraiment à fleur, qu'elle touche donc le fil ici et qu'elle touche le dos. D'accord ? Comme ça, vous aurez un angle voulu. Et faites bien gaffe quand vous faites ça que la règle ne recule pas. Normalement, la pâte à fixe est prévue à cet effet. Là, je vais prendre à 5 cm la hauteur. Là, on a une hauteur de 1,5 cm. Donc, ce qui nous fait 15 mm. Donc, on va transposer tout ça sur papier maintenant. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc nous y voilà. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 secondes. Nous avons tracé un trait sur la table de 5 cm. D'accord ? Donc voilà, 5 cm. Je viens de les représenter ici et je vais donc tracer mon trait. Hop, qui part du 0 jusqu'à 5. Voilà. Ensuite, on a vu du coup qu'il nous fallait un compas. Mais pourquoi donc faire un compas ? Pour transposer les 5 cm de l'autre côté aussi. Donc, c'est ce que nous allons faire. Hop. Donc là, je pique sur mon 0. Hop. Je prends mon 5. Et je vais transposer tout ça. Maintenant, nous avons vu qu'on avait à 5 cm une hauteur de 15 mm. Donc là, je me mets à 15 mm sur les deux côtés du trait. Hop, on va essayer de faire ça bien. Hop. Voilà, ce qui nous donne 15 mm ici. Voilà, ici. Et maintenant, je vais tracer mon angle. Ok. Je vais prolonger le trait plus loin. Comme ça, je pourrai mesurer mon angle au rapporteur. Et là, pareil. Hop. Il faut s'appliquer pour être le plus précis possible. C'est pour ça que je vous demande d'avoir un critérium aussi. Hop. Et là, maintenant, avec le rapporteur, on va déterminer l'angle de notre coupe-chou. Donc on met bien le 0
un bout du fil. Ok. Et ce zéro là, ben on va le mettre ici, là, pour avoir les nombres de degrés. Je répète, bien comme il faut. Le zéro, vraiment en bout de fil. Et ce zéro là, bien aligné. Hop, voilà. Et là, du coup, je compte 10, 15, 16, 17, 18 degrés. Donc là, on a un angle de 18 degrés. Voilà. En sachant que l'angle optimal est de 17 degrés, celui-ci fait 1 degré supplémentaire déjà. Ce qui reste dans la tolérance, mais il y aurait peut-être une amélioration à faire pour le redescendre à 17 degrés. Voilà. Écoutez, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour ces petites instructions, pour contrôler un petit peu la géométrie de votre lame, essayez de les appliquer systématiquement. Bon, pas sur un... Ça peut arriver sur des coupes choux d'œufs qui aient des malformations à l'usinage, mais c'est quand même assez rare. Moi, je vous conseille surtout sur des rasoirs vintage d'essayer déjà, quand vous les avez, de contrôler la planéité, d'accord, comme je vous ai montré tout à l'heure, de contrôler le galbe, ok, comme ça aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, et essayer de transposer l'angle sur papier pour vous donner une idée de l'angle de votre lame et si elle s'approche plus ou moins de l'angle idéal. Et du coup, ben, pour faire des corrections, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo là, mais ça sera dans la prochaine vidéo géométrie que je ferai je ne sais pas quand. Et je vous montrerai un petit peu comment on fait pour corriger tout ça et pour s'approcher au maximum de l'angle idéal. Voilà. Pour ce faire, si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à vous abonner comme d'hab. Abonnez-vous, faire sonner la petite cloche de notification et si ça vous a plu, mettez des pouces en l'air. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Bah, contrôlez bien la géométrie de vos lames. Restez toujours bien affûtés. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao! Si vous cliquez sur le petit rond où il y a marqué GRV, vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Si vous cliquez en bas à droite, c'est pour la dernière vidéo et le reste, c'est pour les playlists.